Verset pour journée, hein? Ésaïe 44, verset 3. Verset pour journée, hein? Ésaïe 44, verset 3. M'a vidé de l'eau sous tes secs là. M'a fait sous l'eau couler dans des airs. M'a baillé petit nouyo pour voir l'esprit moi. M'a voyé bénédiction sous petit petit nouyo. M'a vidé de l'eau sous tes secs là. M'a fait sous l'eau couler dans des airs. Ma baye petit nouyo pour voir l'esprit moi. Ma voye bénédiction sous petit petit nouyo. Dans cette situation que nous y a, l'Éternel ouais et le connaît. Ça se signe à bon Dieu vivant qui a parlé à travers ses vitel prophète li Isaïe. Il fait connaître qu'il ouais nous. Li tande nou et li wè y konprann sitirasyon et li wè il gade li. La voye de l'eau sou tes sek la, m'a fè sous l'eau koule nan dezè ya, m'a bay petit nou yo pou vwa l'esprit mwen, m'a voye bénédiction sou petit petit nou yo. Le ciel wè nou et le konnen nou. Le nou rele li répond nou, c'est simplement chercher face béni li, parce que c'est ça la fè, c'est ça la di. Ça c'est message eschatologie pour Jésus qui t'a pas paraître dans désert dans pays sec là pas de gain même l'eau pour boire dans désert pas de gain rien pour yo prendre ça veut dire non désert total peuple là en captivité peuple là en bas domination Rome c'est loin Rome qui t'a dirigé mal côté te et ben c'est en bas l'autre domaine malgré yo pas de gain en liberté totale pour tête yo et ben Christ là pral vinn fête malgré ça pas venir fait dans mi-temps en dedans même problème politique problème économique problème religieux parce que ou pas de gagnant qui capable marcher bien dans moment mais Christ là pas venir fait c'est raison ça pas venir joindre dans Isaïe 7 verset 14 là qui va dire jeune fille qui pral enceinte li pral fait un petit garçon y a prélé Emmanuel qui voulait du Dieu avec nous. Alors, c'est lui-même qui pral vin avec la paix, qui est content, la joie, la libération, c'est lui-même. Et bien, verset 1, fait nous comprendre, l'Éternel pral vide de l'eau sous tes secs là, lui pral m'a vidé, pral fait sous de l'eau pété dans des airs, et m'a baillé, m'a baillé petit nouyo pour voir. Ça veut dire, moi, ma veille, on nous cherche les faces de l'Éternel pour nous capables de recevoir pouvoir, bon Dieu, bon nous, le bon pouvoir, et pouvoir Seigneur. Et pouvoir qui a tout pouvoir. Pour nous pas peur, pour nous pas trembler, pour nous recevoir de pouvoir. Mais c'est pour nous chercher la face li dans la prière, dans l'étude de la parole, dans l'étude de parole li, dans chercher, comprendre, examiner et réfléchir sur la parole. C'est ça le fait nous comprendre. Et nous avons besoin de la bénédiction en abondance. Ça veut dire, nous avons une longue de vie. Nous avons une longue de vie qui a continué, continuellement. Ça veut dire, tout l'autre, de venir chercher face bon Dieu, reçu à venir comme yon de gui. Ça c'est verset journée, hein, qui c'est dans Isaïe 44, verset 3. La vie de l'eau sous tes sec là. Dans le moment, ça n'a pas gagné, pas gagné, qui t'a plus sec que j'en noyé dans le moment. Pas gagné, qui t'a rompu des airs que j'en noyé dans le moment. Hein. C'est un moment qui est très compliqué pour nous. C'est un moment qui nous pas ni devant ni derrière pour nous prendre, qui compliqué total. Côté nous faire, c'est mon cap tombé, c'est mon cap mouri. Grand goût, problème économique, problème religieux, problème politique, ça y est, c'est y est. Problème éducation, ça y est, nous finis ensemble avec ça y est. Nous finis en bas y est. Et nous prend, nous allons côté nous prend. Ça veut dire que ça, c'est celle le ciel qui a vidé de l'eau là-dedans pour nous. Verset ça, c'est verset pour dire en journée. On nous réfléchit sur lui. En nous calculer sur lui, en nous examiner sur lui. Ça c'est verset Paul là, verset journée, Isaïe 44 verset 3. C'est serviteur évangéliste Paul de Ismaël Série. Retez en paix la caille bon Dieu, verset journée avec vous. Que grâce la continue.